Ouais, Flowfly, t'étais où? 2 semaines sans poster une vidéo. 2 semaines! La foule te réclame! Bouge ton fion, mec! Tu fais des vidéos où tu te balades à poil dans ton couloir d'appartement, t'es pas foutu de parler de bouquins sur YouTube? Révoltant. Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo! Tintin! Comme vous avez pu... Oh, je suis pas coiffé! Attendez, je reviens. Je suis sûr que vous ne voyez aucune différence par rapport à avant que j'étais coiffé. Mais c'est pas grave, c'est pour moi-même. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit point lecture qui va être... un point lecture. Voilà. Sans commentaire, je suis pas là, je suis là, on sait pas. J'ai fait ce... Enfin, c'est pas j'ai fait ce fond, c'est... J'ai réaménagé mon salon et je me suis dit que ça s'y prêtait plutôt bien. C'est pas trop moche, franchement. On verra à la longue ce que ça donne. Vous savez que je déteste filmer toujours au même endroit, donc je bouge dans mon appart. Par contre, je sais plus du tout de quoi je dois vous parler. En premier lieu, je vais vous parler de un petit bouquin qu'on voit pas trop. Non, j'ai déjà fait cette blague, je peux pas la refaire. Je vais vous parler de Blackwater, tome 1 et tome 2. J'ai pas encore lu la suite, je les possède. Je peux vous les montrer. J'ai le 3 là. A few moments later. Je l'ai retrouvé. Donc j'ai les 4 premiers tomes en ma possession. Le premier qui s'appelle La Crue. La digue, la maison et la guerre. J'ai lu les tomes 1 et le tome 2. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 premiers tomes? Alors, ça ne révolutionne pas le genre. On est dans, je ne saurais pas comment le dire, de la saga familiale avec un petit côté horrifique ou à suspense. Non, pas horrifique, à suspense, pseudo-effrayant. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire le pitch alors qu'on les voit passer absolument partout depuis 2 fois 4, 8, 8 semaines, 2 mois? Ça sort toutes les 2 semaines, c'est un roman à feuilleton, une saga à feuilleton publiée chez Toussaint Louverture et toutes les 2 semaines, ils sortent un nouveau tome. D'ailleurs, à la base, je voulais suivre le rythme et au final, en fait, je fais un peu une overdose de ce truc que je vois passer partout, mais vraiment absolument partout, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. La preuve, moi-même, j'ai cédé. J'ai passé un bon moment en lisant les 2 premiers tomes, mais j'ai pas été subjugué, que ce soit par le style, par l'histoire. Dans le premier tome, bah, il y a le village qui est complètement anéanti à cause d'une crue. Et il y a ce personnage-là, qui, je sais plus comment elle s'appelle. Méridor, non pas Méridor. Ah, elle a un nom un peu accouché dehors, je crois. Elinor, Elinor, voilà. Il y a cette femme qui est retrouvée... dans l'hôtel de la ville, au moment de la crue, elle s'était réfugiée dans une chambre d'hôtel, mais elle est un peu louche, elle est un peu bizarre, on se pose des questions sur elle, et ça va être un peu le point d'orgue du roman, parce qu'elle va s'immiscer dans la vie d'une de ses familles, puis après, vu que c'est une famille importante, s'immiscer dans la vie de la ville, et on sent qu'elle a des trucs pas nets derrière elle. Voilà. C'est sympa, c'est très divertissant, c'est vrai que les 2 fois où je les ai lus presque d'une traite parce que ça se bouffe, ça se dévore, c'est bien écrit, il n'y a pas de faux pas, c'est bien fait, mais pour autant je n'en ressors pas avec un immense plaisir, c'est une lecture qui me plaît sur le moment, mais qui ne me laisse pas grand-chose, là la preuve, hein, je me rappelle plus trop de comment se termine le deuxième tome, il faudrait pas que je traîne trop avant de lire les autres, le truc c'est que je lis peu en ce moment, donc en fait je voulais faire un livre... de ma palle personnelle plus... Enfin, c'est aussi ma palle personnelle, mais je voulais alterner un livre avec un Blackwater, puis au final, j'ai pas pris le temps parce que je lis trop peu et j'ai pas envie de me mettre là-dedans à fond. Donc voilà. Je continuerai, je vais acheter les 6, hein, parce que bah, j'ai les 4 premiers. C'est vrai que c'est des très très beaux bouquins, les couvertures, le travail éditorial est bien fait. J'ai un plaisir, comme on regarde un bon téléfilm, en fait, à la télé, quand on lit ça. Donc, faut le prendre pour ce que c'est. Est-ce que ça mérite tout le battage médiatique qu'il y a dessus? Non, pas à mon sens. Je pense pas, c'est juste très plaisant et le côté feuilleton est agréable. Mais après, au-delà, moi, pour moi qui là n'arrive plus à suivre le rythme, bah, le côté feuilleton, en fait, je l'ai plus parce que je le lis quand j'ai le temps ou quoi, donc c'est juste une saga. Ensuite, j'ai lu un graphique qui s'appelle Sensor de Junji Ito aux éditions Mangetsu. J'ai pas grand-chose à en dire parce que je suis une quiche pour parler de graphique. C'était une bonne lecture, néanmoins, il m'en reste rien à l'heure actuelle. Ça fait peut-être un mois que je l'ai lu et j'ai presque tout oublié. On va être dans une espèce de... Il va être question de secte, ça se passe au Japon. Une espèce de secte qui vit autour d'un grand Manitou, dans les bois, dans un village un peu perdu. Et ce grand Manitou aurait des pouvoirs possiblement magiques pour, en gros, accéder à un pouvoir suprême, accéder à une connaissance suprême de l'univers, etc. Je trouve pas de planche qui serait trop spoilante. Alors, je vais vous montrer juste les premiers, dans les tout premiers. Voilà. Si ça peut vous aider. C'est très joli, c'est très doux, ça se lit très vite parce que c'est, je sais pas, c'est pas très très gros. J'avais passé un très bon moment, je me rappelle, où, quand je l'ai lu, c'était un week-end.
je suis pas vraiment adepte de la littérature de l'horreur et encore moins en manga. Pourtant, c'est très accessible. L'histoire était sympa. Est-ce que je redépenserai 15 euros pour l'acheter? Je suis pas sûr, mais c'est parce que c'est pas mon genre. Donc, si vous aimez ce genre d'histoire et de manga, foncez parce que vraiment c'est très qualitatif, que ce soit tant par les dessins que par l'histoire qui a une avancée, une narration qui est assez prenante et addictive. Après, si vous êtes comme moi plutôt pas vraiment dans cette veine de lecture, je pense que vous pouvez vous en passer ou alors empruntez-le, mais peut-être n'allez pas dépenser, même si le travail éditorial est très très beau. Je sais pas ce qu'il y a en dessous la jaquette. Oui, le bouquin même en dessous la jaquette est joli aussi. Voilà. Des revues de qualité sur cette chaîne BookTube. Ensuite, j'ai lu Les Femmes du North End de Katerina Vermette aux éditions Albin Michel et c'est donc un service de presse. C'est un roman qui est publié dans la collection Terre d'Amérique. J'ai déjà lu plusieurs romans et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, notamment American Rust de Philippe Meyer, Auguste de Callan Wink que j'avais beaucoup aimé sur l'adolescence et les premières fois dans l'Amérique un peu profonde. Là, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe au Canada, donc c'est aussi ça qui m'a attiré. Et ça se passe à Winnipeg, qui est une ville du Canada où il y a pas mal de communautés autochtones, je sais pas encore une fois comment dire, des natifs, des indiens natifs. Alors il y a encore des réserves où ces communautés habitent, mais il y en a certains qui ont quitté les réserves pour aller habiter dans la ville de Winnipeg. De fait, la ville de Winnipeg est une ville qui est assez pauvre, car ce sont des populations qu'on a totalement oubliées, qu'on a totalement ostracisées, qu'on a discriminé, donc il y a une ségrégation qui est quand même assez importante dans la ville, avec des quartiers entiers de natifs totalement à l'abandon. Le roman s'ouvre sur une femme qui est à sa fenêtre de cuisine en train de nourrir son bébé en pleine nuit, et elle voit sur le terrain vague en face de chez elle une jeune femme se faire agresser par plusieurs personnes. Elle n'arrive pas vraiment à identifier si c'est des hommes, des garçons, enfin en tout cas elle voit une jeune femme se faire agresser, se faire violer devant ses yeux, et les garçons s'en vont, les violeurs s'en vont, et elle se retrouve, la jeune fille, seule, saigne, se lève et s'en va. Et en fait, cette jeune femme qui voit ça de ses propres yeux, elle est un peu tétanisée, elle aimerait aller aider cette jeune femme, mais elle a peur pour elle, elle a peur pour son enfant, elle a peur. Elle connaît les violences, elle connaît le quartier, tout ça, donc elle n'arrive pas à bouger de chez elle. Tout ce qu'elle fait, c'est appeler les policiers, sauf que ben, quand les policiers arrivent, il est trop tard. La jeune fille a déjà réussi à repartir, rentrer chez elle. Et du coup, bah, on ne sait pas si elle a vraiment vu ça ou si c'est peut-être un trauma, quelque chose. Donc, c'est la scène d'ouverture du roman, c'est ce viol qui va être en fil rouge tout au long de l'histoire parce qu'il va y avoir une enquête sur qui est la jeune fille violée, qui sont les agresseurs. Et en même temps, ce fil rouge n'est pas vraiment très prenant dans l'histoire, même si c'est le cœur du roman. On est plutôt dans cette... J'ai perdu totalement mes mots là. On est plutôt dans un roman qui est assez social sur la femme, parce que c'est un roman choral où on va être avec 9 femmes, je crois, au total, et un homme. Il y a quand même un homme qui prend la parole, mais 9 femmes qui font partie d'une même famille, donc il faut être un peu concentré au début parce qu'on a, voilà, un arbre généalogique assez complet. Il y a beaucoup de cases, comme vous pouvez le voir. Toutes les cases ne sont pas utiles, en fait. Il y a des personnages qui sont à peine mentionnés et qu'on s'en fiche un peu. C'est surtout les femmes qui prennent la parole qui sont importantes parce qu'elles sont toutes sœurs ou cousines ou tantes ou grand-mères. Voilà. En gros, il y a la grand-mère qui a eu 2 filles. Ces filles ont eu elles-mêmes des enfants. Et on est avec ces 3 générations, 4 générations, parce qu'il y a aussi les arrière-petits-enfants par la suite. Donc il va y avoir des secrets de famille parce que, bah, voilà, entre les cousines, entre les tantes et les sœurs, il y a des choix qui ont été faits. Ce sont des femmes qui ont très souvent subi la violence d'un homme, qui ont subi l'alcoolisme des hommes. L'autrice est elle-même, je crois, descendante d'une famille de natifs, donc c'est quelque chose qu'elle connaît et elle n'est pas du tout vindicative envers ces populations, envers même les hommes qui parfois sont violents envers les femmes. Alors si, elle ne prône pas la violence envers les femmes, elle ne prône pas les violences conjugales, mais elle essaye de questionner l'identité, de questionner ces populations, ces communautés qui ont eu du mal à exister ou à coexister avec le peuple canadien, en tout cas les Canadiens blancs traditionnels, j'ai envie de dire. C'est voilà, un roman sur l'identité sociale. Il y a aussi de l'engagement féministe, mais évidemment, enfin, rien que faire un livre où tu donnes la parole à 9 femmes de générations différentes, il y a toute une notion d'intergénérationnalité qui est très intéressante. C'est également de l'intersectionnalité parce qu'on est avec des femmes, on est avec des femmes pauvres, avec des femmes natives, donc voilà, il y a plusieurs luttes qui convergent et qui se rejoignent, et en même temps c'est très divertissant parce qu'il y a l'enquête en fil rouge qui
nous amène à dépecer un peu cette famille, à la découper et à voir les relations entre les différents personnages. J'ai beaucoup aimé. Il y a aussi plein de questionnements par rapport à la nature, le rapport de l'homme à la nature, de la ville avec la campagne, la ville avec les bois, la ville avec les grandes étendues. C'était génial, comme souvent, enfin, les trois lectures que j'ai eues de Terre d'Amérique chez Albin Michel, ça a été des excellents coups de cœur. Ça n'en est pas moins un. C'est grandiose, j'ai beaucoup aimé. Et il me tarde de lire le prochain, je peux vous le montrer parce qu'il doit être dans les parages. Le prochain que j'ai reçu d'Albin Michel, c'est « Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents » de Shannon Pufal. Ça se passe dans les années 50, on sera avec une femme qui s'échappe un peu de son couple en allant assister à des champs de courses de chevaux. Et de l'autre côté, il y a, je crois, son beau-frère, donc le frère de son mari, qui est renvoyé de l'armée pour homosexualité. Donc bon, bah là, Terre d'Amérique, homosexualité, femme libérée, ça coche un peu toutes les cases hein, pour que ça me plaise. Ça fait également 400 pages et j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, dans les lectures que je devais faire depuis longtemps, je l'avais acheté, vous voyez, en grand format, alors qu'il est quand même un peu daté. Il est sorti en poche depuis. Un bref instant de splendeur de Océane Vuong, chez Gallimard, donc la collection du monde entier, voilà, NRF. La collection un peu classique, un peu chiant-lit de chez Gallimard, mais qui... J'ai shooté dans l'appareil photo, qui me plaît toujours autant. Quand je l'ai lu, je me suis dit, je sais pas comment je vais en parler, parce que c'est quand même un roman très intime. Et en plus, je l'ai lu il y a déjà, je pense, un mois. Donc ça va être encore plus compliqué d'en parler. Océane Vuong va écrire une lettre, donc en l'occurrence un roman, à sa mère en anglais, alors que sa mère est vietnamienne et qu'elle ne comprend pas l'anglais ou que très peu. Comme un journal, un carnet de bord de la vie de Océane Vuong qui raconte, enfin qui aborde plein de thèmes, notamment l'homosexualité, car il est homosexuel, la question de masculinité qui est complètement indépendante de l'homosexualité, enfin je veux dire, c'est une question qui est souvent reliée à l'homosexualité, mais toujours est-il, des hétérosexuels peuvent se poser la question de la masculinité, donc j'aime bien que ce soit deux termes qui soient absolument différenciés, et c'est le cas dans ce roman. Les questions d'identité, de race, je sais pas si on a le droit de dire race, c'est autorisé ou pas, mais de nationalité. Les questions de... Bah, eux, ils disent race hein, dans le résumé derrière. De classe sociale, parce que bah, voilà, c'est une famille vietnamienne émigrée qui est arrivée aux États-Unis. Donc effectivement, bah, quand tu arrives aux États-Unis, que tu viens du Vietnam, tu n'as pas vraiment d'argent, tu galères à trouver du travail. Sa mère travaille dans un salon d'esthétique où il y a bah, beaucoup de femmes comme elle, émigrées, qui travaillent et qui gagnent peu d'argent et qui sont exploitées. Voilà, c'est vraiment un journal intime de sa vie qui était, ma foi, très 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 touchant. J'ai pas eu les larmes aux yeux, mais il y a eu des scènes d'une beauté sans nom. Par exemple, il raconte sa première fois homosexuelle avec un garçon, qui est absolument pas la première fois rêvée, hein, je peux vous le dire, bah voilà, quand tu l'as lu, tu te dis que tu veux pas que ça se passe comme ça pour toi. Et pourtant, il raconte ça avec une grâce, une poésie, une pudeur. C'est ça qui m'a touché, c'est qu'il arrive à décrire des choses qui sont, bah voilà, c'est le commun des mortels quand t'es homosexuel, bah tu as un rapport anal, donc il y a forcément des choses qui ne se passent pas forcément bien. Mais il le fait avec une pudeur, sans jamais montrer du doigt ou ostraciser une pratique anale ou une pratique homosexuelle. C'est vraiment fait tout en douceur et tout le reste du roman est du même acabit selon moi. C'est pudique sans trop se cacher, sans se mettre une barrière ou sans ne pas aller au bout des choses. Il va au bout des choses, il aborde des sujets qui sont à mon avis très durs pour lui et qui peuvent faire écho à plein de personnes tout en le faisant avec beauté. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'on n'est jamais dans le voyeurisme, même si bah voilà, c'est une autobiographie, ça reste pourtant ouvert à tout, ça soulève des questions qui sont très importantes selon moi, et j'ai passé un excellent moment. Je vais pas réussir à en dire beaucoup plus, je suis désolé. Qui a fait des vidéos là-dessus? Je crois que Maëlle, L'Ange Sauvage, l'a lu et a dû faire une vidéo entière consacrée à ce bouquin. Je vous invite à aller la voir, parce qu'à mon avis, il a dû mieux en parler que moi. Et il y a probablement d'autres personnes sur Instagram et sur YouTube qui ont parlé de ce roman, car il a fait quand même pas mal parler de lui. Donc je vous invite à aller vous renseigner si ce sont des thèmes ou un bouquin qui pourrait vous intéresser et que mon avis vous semble trop incomplet. Allez-y, allez voir ailleurs et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Ma fenêtre est là. Et là, j'ai ma télé. Donc si je veux me mettre face à la fenêtre, le fond est moche parce qu'il y a la télé, vous l'avez déjà vu. Et du coup, je suis obligé de me mettre... parallèle, je suis en parallélité, enfin je suis de face, je suis parallèle à la fenêtre, ou perpendiculaire, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai la fenêtre sur le côté,
Et c'est pas top pour la lumière, parce que là, je suis surexposé, et là, je suis sous-exposé. Il faudrait que je mette un éclairage ici, là. Oh, et, hein, bon. Ensuite, je pense que ça va être le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui. La vidéo sera pas trop longue, mais c'est pas plus mal. J'ai lu et adoré, surkiffé. C'est génial, c'est beau, c'est tout ce que j'ai aimé. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Il est gros, de Émile Ferris, aux éditions... Purée, mais j'avais encore oublié tous mes marque-pages dans mes bouquins. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Le livre premier, comme il l'indique ici. Le bouquin est sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a toujours pas eu le livre 2. Même plus que ça, parce qu'il a eu le prix de je sais pas quoi, en 2019, à Angoulême, la meilleure BD. Donc du coup, voilà, ça date. Je sais, je crois avoir vu qu'il était sorti en anglais, le tome 2, mais bon. C'est vrai que pour un bouquin pareil, le travail éditorial, et notamment de traduction et de placer les bulles, parce que bah, les bulles, elles doivent être, à mon avis, à des endroits très précis du dessin, ça doit être dur de traduire pour pas que ça sorte, réduire les tailles de typos, enfin je sais. Ça doit être un travail monstre de traduire et de publier ce genre d'ouvrage, donc on les pardonne, mais quand même, traînez pas trop, parce que moi, là, je l'ai lu avec 3 ans de retard, et j'aimerais bien ne pas encore attendre 3 ans avant de pouvoir lire le tome 2. C'est un bouquin qui se passe dans les années 60, à Chicago. On va être avec une jeune fille, c'est cette jeune femme là, cet enfant, qui se dessine sous les traits d'un inspecteur en forme de loup-garou. En gros, voilà, c'est ça, c'est un inspecteur loup. C'est comme ça qu'elle se voit et qu'elle se perçoit, qu'elle s'imagine. Donc c'est comme ça qu'elle se dessine quand elle se dessine, car c'est comme un journal de bord qu'elle tient de sa vie. Et c'est pour ça que ce sont tous des dessins qui sont faits au bic. Franchement, c'est incroyable le travail qui est fait, parce que vous voyez, le bouquin est quand même assez immense, il est plus grand que ma tête, et tout est fait au bic. Donc c'est vraiment, on est avec cette petite fille qui s'appelle, je ne sais même plus comment, c'est pas important les prénoms, et puis on s'en fout, je vous dis, elle s'appelle Josette ou Robertine, ça vous changera pas la vie. Donc voilà, on est dans ce quartier un peu puant, cette petite fille, elle vit avec sa mère et son frère. Sa mère, elle est très portée sur les superstitions, sur la voyance, voilà, tous ces petits gestes qu'on fait, genre se balancer du sel par-dessus l'épaule, quand on casse un miroir, mettre les morceaux dans l'eau pour éviter d'avoir du malheur, elle est très portée là-dessus, sur le spiritisme, etc. Et son frère, lui, est très porté sur le sexe, mais en même temps sur la protection de la famille. On comprend vite qu'il n'y a pas de père, en tout cas que le père n'est plus là, et que le frère a endossé un peu ce rôle, et qu'il le prend très à cœur, et qu'en même temps, il est très très touchant, la relation entre le frère et la petite sœur est à mourir et à tomber. Et dans son quartier, de cette petite fille, eh ben, sa voisine du dessus, un jour, elle meurt, alors qu'elle était assez... pas proche d'elle, mais elle la voyait tous les jours, elle discutait tous les jours avec cette voisine. Et donc, elle a envie d'en savoir plus sur la vie de cette voisine, parce qu'elle était un peu... comment dire... Elle avait une maladie mentale. Enfin, nous, on devine qu'elle avait une maladie mentale, mais pour la petite fille qu'elle est, elle était bizarre, cette voisine. Et donc, elle essaye de mener l'enquête avec cette tenue d'inspecteur gadget sur la vie de cette voisine, et ça nous fait remonter dans des époques précédentes en Europe, etc. Elle écoute des passages de la vie de cette femme décédée, et du coup elle les dessine pour nous les restituer, et c'est vraiment génial parce qu'il y a 2 histoires dans l'histoire, et j'ai tout bonnement adoré. C'est une prouesse tant par la narration que par les dessins. Ça m'a transporté dans ce Chicago, mais en même temps dans une autre époque dont je ne vous parle pas parce que ça serait un peu spoilé, ça arrive que vraiment bien tard dans le roman. Les dessins sont magnifiques, les formes sont magnifiques, les couleurs, parce qu'il y a des planches colorées, le son également. J'ai passé un excellent, excellent moment. J'ai vraiment envie de découper des pages, enfin, ou en tout cas de les photocopier peut-être même, et de les encadrer parce qu'il y a des pages que j'ai trouvées mais superbes. Par exemple, elle dessine beaucoup de monstres parce que c'est une petite fille qui est très attirée par l'horreur, par les monstres, par Scooby-Doo, quoi, en gros, et toutes ces histoires un peu farfelues et fantastiques. Et donc, elle dessine beaucoup de personnages sous les traits de monstres, et en même temps, elle lit beaucoup de magazines de littérature horrifique, et elle nous restitue... En fait, elle redessine les pages des magazines qu'elle lit, et donc, à chaque, en gros, début de chapitre, entre guillemets, il y a ces pages de magazines, ces unes de magazines qui sont redessinées au bic, et c'est génial. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment, je vous le recommande pour le coup. Alors lui, il coûte 35 €, c'est largement mérité. Et si demain on me dit il y a le tome 2 qui sort, je cours redépenser 35 balles pour acheter le tome 2 sans aucun souci. C'est un livre d'art, c'est pas juste une BD, c'est pas juste un roman graphique, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste des dessins. C'est un tout, et un tout qui fait du bien. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les 2 tomes dans ma bibliothèque ou de les laisser traîner parfois sur la petite table basse du salon
pour que mes convives puissent se plonger dedans. C'est faux, je n'invite personne chez moi, je vais bouffer chez les gens car je suis vraiment une radasse. Et donc personne ne les lira à part moi, mais ça me fera plaisir de le voir tous les jours. Voilà, c'était donc à peu près tout pour cette vidéo. Il me reste, je vous dis encore, 1, 2, 3, 4 bouquins à vous parler. Je vais essayer de tourner la vidéo peut-être aujourd'hui ou demain. Et je déteste faire ça, de tourner plusieurs vidéos à la suite, parce que je trouve que la deuxième est toujours moins bonne que la première. Et non pas que la première soit déjà excellente en général, donc j'aime pas tourner. Donc peut-être demain, mais c'est parce que j'aimerais bien avoir une vidéo d'avance et pouvoir vous proposer un contenu un peu plus régulier. Ça m'emmerde de pas pouvoir vous poster une vidéo toutes les semaines actuellement. C'était quelque chose qui me tenait très à cœur, j'ai réussi à le faire pendant un an. Peut-être que j'y arriverai, c'est juste que bah, là en plus, vu qu'il fait beau, je sors presque tous les soirs, boire avec des amis, faire la fête, manger, déguster des planches apéritives, et du coup bah voilà, je délaisse un peu et la lecture et YouTube, et puis bah j'ai beaucoup de travail la journée, mais bon, c'est la vie de tout à chacun. L'été on sort, l'hiver on reste enfermé chez soi, donc probablement que cet hiver il y aura plus de vidéos que cet été. C'est la vie, pas le paradis, rodéo, zazie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Si vous voulez discuter, vous pouvez la commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.